Alors, tiens Jean-Luc. Oui. Qu'est-ce qui me fait le plaisir? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, bonjour le monsieur. Bon, eh bien okay. Écoutez, cher commandant de bord, emmenez-moi à Nevers. À Nevers, on est parti pour Nevers. 4, 5. Personne devant, les pieds sur les freins. Ok pour la ceinture, alors ça okay, c'est la novembre, tienne. Limage, l'Union Soleil, écoute. Fox Novembre, Limage, vous écoute. Norme Limage, vous êtes prêt à rouler? Affirme, on a pris l'information Delta, on est prêt à rouler. Novembre, Limage, confirmez vos intentions, débutez le roulage. Donc Novembre, Limage, pour un vol à destination de Nevers, avec deux personnes à bord toujours. Fox Novembre, Limage, 37, 23, transpondeur, roulez point d'attente, 08, dur, rappelez prêt. 37, 23, on roule le point d'attente, 08, dur, on rappelle prêt, Fox Novembre, Limage. Delta Papa, je vous suggère de vous placer aux pompes nord, là, derrière le Robin rouge et blanc. Le Robin et le Cessna qui sont actuellement aux pompes nord vont partir. Bon, alors. Delta Papa, reçu, je me mets au nord, derrière le kilomètre. Alors ça, c'est le sud. Et du coup, il va falloir attendre Delta Papa. Le nord, c'est derrière le Novembre Alpha. Exact, je vais peut-être tourner. Reçu, procédez à convenance. Kilo Yankee, prêt également. Kilo Yankee 37-24, transpondeur, suivez le Robin qui sort des pompes vers le point d'attente, puis roulez point d'attente 08 dur, rappelez prêt. 37-24, je suis le Robin et je rappelle prêt au point d'attente 08 dur, Kilo Yankee. Papa Sierra, vous cédez le passage à un Robin et un Cessna qui sortent des pompes vers le point d'attente. On cède le passage au Robin et au Cessna, ça que Papa Sierra. Delta Papa, je suis au nord. C'est parfait Delta Papa, tout à l'heure. Delta Papa, autorisé atterrissage 08 gazonné, merci, vent 110 degrés 89. Pas de soucis, on est autorisé d'atterrissage gazonné dans 08, papa. Novembre Lima, long tour, bonjour, alignez-vous, piste 08 dur, autorisé décollage, vent 110 degrés, 89. Novembre Lima, autorisé alignement et autorisé décollage, Fox Novembre Lima. Fox Kilo Yankee, long tour, bonjour, après le départ du Robin, alignez-vous 08 dur, et attendez. Bonjour, donc on partira, il sera 55. Derrière le départ du Robin, au départ de Vendôme, on s'aligne piste 08 dur, et on attend derrière Kilo Yankee. C'est Romain Victor numéro 1, rappelez final piste 08 gazonné. Numéro 1, je rappelle final 08 gazonné, Fox Romain Victor. Ok, on est aligné. Plein pot. Alors, non, un cran de volée, voilà, un cran de volée. Donc c'est Papa Sierra, une tour bonjour. Pas après d'alarme. Départ du Cessna, alignez-vous piste 08 dur et attendez. Ça dépend du Cessna, c'est mis en attente 08 dur. 51, 54. On tire, on reste dans l'axe. 70 nœuds, ok. La tour elle est à droite là, ok on passe au-dessus. Kilo Yankee, piste 08 dur, autorisé décollage, vent 130 degrés, 89. Piste 08 dur, autorisé décollage, Kilo Yankee. Logne Oscar Papa, bonjour. Donc volet 0, pas de pompe. Donc Oscar Papa, Logne Tour, bonjour, transport 37-26, je vous rappelle. Bon, si tu sors l'essence, c'est normal, hein, parce que le D'accord. dernier il était vraiment ras la gueule. Parce qu'effectivement ça sent bien. Ah ouais c'est normal. Je vais passer à la piste 08 dur, autorisé décollage, vent 130 degrés 89. Vous avez décollage 08 dur, Fox Romain. Fox Romain Victor, c'est pour un complet? C'est pour un touché, Fox Romain Victor. Fox Romain Victor, piste 08 gazon est autorisé touché, vent 130 degrés 4 nœuds, trafic PS28 au départ dur, sortie locale. Fox Romain Victor et j'ai visuel sur le départ. Fox Oscar Papa, le tour, bonjour, je vous écoute monsieur. Bonjour, le Romain Juliette Roméo Oscar Papin, Whisky Tango 9, deux personnes de Shell vers Amboise, 1500 pieds pour transiter verticale.
Ok, Carpapa transit approuvé 1500 pieds QNH 1028. Et les pistes 08 en service à Logne, rappelez vertical terrain. Rappel vertical 1500 pieds 1028 au Carpapa. Delima Tango, bonjour. Salima Tango, Logne Tour, bonjour. Transport 3727, je vous rappelle. 3727 au transporteur Lima Tango. Donc novembre Lima 7000, quittez, au revoir. Novembre Lima 7000, on quitte, au revoir, à tout à l'heure. Donc Kilo Yankee 7000, quittez, au revoir. 7000, quitte, à tout à l'heure, Kilo Yankee. Ok. Donc c'est un pas de... Lloyd, d'être au Hôtel Papa, bonjour. Hôtel Papa, Lloyd Tour, bonjour. Transporteur 3730, rappelez Echo. Transporteur 3730, je rappelle Echo. Novembre Papa Delta, Lloyd Tour, bonjour. Alignez-vous 08 dur, autorisé décollage 120 degrés, 4 à l'heure. Le Maligne, 08 dur, autorisé décollage, toujours Papa Delta. Fox Lima Tango, Lloyd Tour, bonjour, je vous écoute. C'est Fox Go Fidian Lima Tango, appel 28 degrés. Alors, on a avancé le de gauche. On va en boîte pour être transit aux installations à 431 H. Ok, on passe sur celui-ci. Très bien. On est un petit peu poussé. Non, on est un petit peu ralenti. D'accord, donc t'as vu un peu le soleil de face là ? Génial. Ouais. Voilà. Et tout autour, tu sais pas si c'est de la pollution ou si c'est du nuage. Ouais, heureusement qu'on a un petit peu attendu, je pense, quand même. Trois personnes à bord en provenance de Montréal, destination de Vaux-le-Vicomte. Nous arriverons par le sud en roulant main droite à Derek. Belin de Fox Golf, novembre, novembre Lima, bonjour. Belin, le Fox novembre Lima, un DR400 en provenance de Logne, à destination de Nevers. À 2 minutes du point novembre, 1400 pieds. Donc on va croiser vers le sud. Donc on a dit qu'on est parti à 55. 55 plus 12, ça fait 07. Donc en principe, ah là, novembre il est là-bas. C'est quoi? C'est le fameux intersection des lignes de TGV là. Ah d'accord. Tiens, tu vois, il y en a une qui arrive ici, il y en a une autre qui part là-bas. D'accord. Et puis t'as l'autre qui part là-bas. Et nous en gros on va là-bas. Ouais, ok. Donc le cap là vraiment on va le prendre dans 165 dans pas longtemps là. Ça va être le premier cap. Bon, voilà, bonjour. À mettre à 1500. Oh, la visibilité. Waouh, 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 waouh. Belin Tour du Fox Kilo Yankee, bonjour. Bon, ça va en termes de visibilité. Ouais, non, mais enfin, c'est Belin pas tellement détaillé, c'est pas tellement propre. Hein. Donc, du Melun, du Fox Hotel Delta Kilo Yankee, 112 en provenance de Logne, pour traverser la CTR via novembre, vertical, et ensuite vers le sud pour l'NGC Loge. Je rappelle à novembre initialement à 1700. Ok, donc on prend le 165. Melun, Fox Novembre Lima, on passe novembre, donc on va vers le sud, on va passer à la verticale de Vaux-le-Vicomte. 1500 pieds. Là, Fox Bravo, bien, nous allons passer à travers Vaux-le-Vicomte à 2000 pieds d'ici une minute et nous arrivons par le sud, nous enroulerons main droite. Reçu pour l'appareil, 2000 pieds, Fox Novembre Lima. Il est plus haut que nous. Ouais. Alors 165, c'est plutôt par là. Alors on a du 5 nœuds, cette fois 5 ça fait 3 degrés, donc je prends 162, voilà. Voilà de Fox, Govigan Lima Tango, bonjour. Tiens, bah regarde là-bas.
C'est un 28 au château de Shell 2, personne n'a pas destination de Ramboise. C'est un château, c'est une usine. En passant par le pas de Vambry, ah non, c'est l'usine, d'accord, oui, je sais, c'est une usine. On en prend deux, on est là-bas. À 400 pieds, il a. À la 1500, c'est bien. 161. Nickel. Ok, 118 nœuds, 1500 pieds, 2500 tours. Là, j'ai pour Kilianki, j'arrive un à novembre, 1500 pieds, je prends la direction de la verticale, 1500 pieds. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Je sais pas, je connais pas. 1500 pieds, il a dit qu'il prenait la verticale. Là, Fox, je lui mets 1500 pieds, Bricante Robert, et je mets 4 seuls points, bravo. Pas d'appareil en vue. Ça reste brumeux, hein. Ouais, c'est un peu dégueulasse quand même, hein. De l'info que Bravo India, nous sommes au niveau de vous le compte, nous avons main droite direction Blanc-Billet-Tour, nous sommes à 2000 pieds. Je monte à 2500 pieds. Car ça en reste 1500 pieds. Belin de Fox Alpha Tango, bonjour. Un hélicoptère Robinson F-44 Fox Hotel Echo Alpha Tango, on est à 2 minutes de Sierra Mike en arrivant par le sud pour on va transiter la CTR par Sierra Mike novembre dans 2 minutes à 1200 pieds QNH. Belin de Fox Novembre Lima, 1500 pieds, on vient de croiser les axes, on se dirige vers le sud à proximité de Volvicomte. Voilà, j'ai Fox Kilo Yankee à 112, j'arrive à 30 secondes de la verticale et je prends la direction de Sierra Mike à 1400 pieds. Ah, 1400 pieds Sierra Mike, il y en a qui arrive qui va nous... Dis-moi, attends, bon, on a château, ah, mais c'est Blandi, tiens, justement. On va baiser un cap sur Bravo, on rappelle en sortie à Bravo. Bon, on va faire le transit à 400 pieds. Ah, ben c'est vrai. Et il est là-bas. D'accord, ok. Il est derrière, on l'a passé. Ouais. Belin, Fox Novembre Lima, 1500 pieds, on est sur un 160 degrés. On se dirige sur le VOR donc de Belin. Et donc, il n'y aura pas de problème avec l'appareil qui va sur Sierra Mike. Satango, l'hélicoptère R44, on est à 1 minute de Sierra Mike en arrivant par le sud, 1000 pieds QNH. Là, Fox Bravo India, nous sommes au niveau de Blanc-Billet-Tour à 2000 pieds. Nous allons faire un 360 et nous diriger vers Bray-Anti. On entend bien là? Ouais, ouais. Nickel, c'est mieux comme ça. Alors, le cap suivant, ça sera du... c'est du 165. Ah oui, c'est sûr que si je le mettais sur le revoir, ça serait mieux. Voilà. Donc, 10 nœuds. Bah, c'est ce que tu vises. Ouais, c'est ça. D'accord. Alpha Tango, j'arrive ici à Mike, je poursuis vers le nord, je vais transiter par l'est des pistes. Kilo Yankee, je suis entre, entre la verticale et Sierra Mike à 1400 pieds, je passe à travers vos Vicomte là. Ok, je vois là, il y a ça Tango. Vous êtes à quelle altitude? 1000 pieds. Fox
Papa, passe le point Bravo vers le sud. Sierra Mike, tiens, il est là-bas, Sierra Mike. C'est le pont qu'on voit là. D'accord. Bon, l'autre qui était vertical à 2000 pieds, je l'ai pas vu. Hein. Non. Voilà, tiens, là on est pile sur le bord là. D'après ce qu'il me dit. 500 pieds, c'est bien, on va y rester. Alors la fréquence suivante passera 123.5. Et Morée. Donc en principe on est juste à la bordure là. Melun de Fox Novembre Lima, donc on sort de la zone de la CTR, on est à l'ouest de Sierra Mike, 1500 pieds, on se dirige sur le bord en vertical. Oui, correction, on est sur le bord en vertical. Donc, tu vois, il est 08. Bonjour Lima, c'est un sortie CTR au sud de Bravo à 2500 pieds. Le cap suivant c'est 162, bon, bon on est dessus. On a 6 nœuds, 6 fois 5, 30. Ok, bon, on reste comme ça. Tu le vois le vent là? Non, il va passer juste derrière. Ah oui, si, si, je viens de voir. Donc, Melun de Fox Novembre Lima, vertical du vent. On quitte la fréquence, au revoir, bonne journée, bon vol à tous. Merci. Alors, 162. Donc là on, est, là on commence vraiment la nav. Donc 14, 8, ça fait 22. Donc là-bas on a Fontainebleau. Morée de Fox Golf, novembre, novembre Lima, bonjour. Je sais pas ce qu'il a dit, mais... Morée, le Fox Novembre Lima, DR400 en provenance de Logne, à destination de Nevers. On vient de passer la verticale du Rhône, on est 1400 pieds, donc on va transiter à l'est de vos installations. Ok, je commence à reconnaître là, c'est bon. C'est le plus important. Floride, Fox Echo Echo, rebonjour. Bah, tu me suis laissé un petit peu dérivé à droite. D'un autre côté, c'est ce que je voulais faire. On va venir voir un petit peu. À une minute des installations pour intégrer en étape de base 07, main gauche. Ok, voilà, ça c'est le truc. Voilà, c'était ça mon point de repère. Bon, donc le cap c'est 162, bien coordonné. Voilà. Je vois personne. Morée c'est quelque part derrière à droite là. D'accord. Non, regarde, t'as vu en dessous là? C'est énorme hein. Ouais. Les installations à une minute de l'avant. C'est humide comme coin. Ouais. Bon, ouais, c'est quelque part derrière là-bas, je sais pas trop exactement. Plus loin là? Ouais. Morée, le Fox Novembre Lima, 1500 pieds, on passe le loin, on est au-dessus des installations avec les lignes de tension. Vent arrière 07. Hop, 160, 157.
Ça doit fois 2500 pieds à 30 secondes au début de, d'encadrement pour la 26. Ça. Ça va la ventile, tu te prends rien? Ah non, moi c'est bon. Voilà. Donc on est à 2500 tours, on est 1500 pieds, c'est ce que je voulais, 157, 158, c'est bien. Donc la radiale suivante c'est 162. Donc ça s'appelle course. Mais 162, on reste sur le vent et en même temps sur ce trait là. Bon ben voilà, ça y est, il est réglé maintenant, il n'y a plus rien à faire. Un peu de symétrie, on admire le paysage. Et on essaye de comprendre ce qu'il dit. C'est vrai que là il bouge pas, hein. Il n'y a pas de turbulence. Ouais, c'est nickel. Les caméras ont l'air de fonctionner, 159, 1500 pieds. Là, je l'ai mis sur pilote automatique là. Ah ouais, sérieux, hein. Alors par contre. Voilà. Oh ouais. Très bien. Ça fait longtemps de l'hôtel, étape de base 07. Bon, on va monter un petit peu tout à l'heure, je te rassure. Oh bah, ouais, tu fais ce que tu veux, on est bien là. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis aussi. C'est une belle altitude ça. Ouais, ouais, moi j'aime bien aussi. Et bon, pour ce qui est de la recherche de points de repère visuels au loin, c'est un peu bas quand même. Ouais, c'est sûr. C'est le petit inconvénient. Maintenant avec la brumasse là, je sais pas si tu verras beaucoup plus, mais bon. Ouais, c'est pas garanti. En face de l'hôtel, final 07 pour un toucher. Bon. Donc la fréquence suivante c'est celle. À 15 nœuds de travers, non ? 134.3. 134.3. Ah ouais, non, c'est même pas la peine. 118. Morel, le Fox Novembre Lima, on est loin de vos installations pour vous quitter 1500 pieds. Au revoir, bonne journée. Fox Hotel Golf Papa pour s'en sortir également. Faites quitter par info disponible 126 unités. Au revoir. On quitte 7000 au transpondeur, Papa Fox, merci. À Fox Lima Tango, je reçois maintenant le mode Charlie, merci. Des planeurs dans le secteur de Bayou. Donc là, on est sur du 6 degrés. Ouais, t'avais 15 tout à l'heure. Vigilant, vous pourriez me dire si la zone active... Donc 152, ça fait 158, ouais. Vous n'est pas actif, il est pas c'est plutôt dans le secteur de Méréville, pardon. Tu sens qu'il nous pousse, là? Ouais, ouais, mais... C'est pas flagrant, quand même. Station plan Saninfo, je vous reçois 1 sur 5. Saninfo, de Fox, Golf, novembre, novembre, alpha, bonjour. Fox et Golf, novembre, novembre, alpha, c'est l'information, bonjour, passez votre message. Château. Oui, à novembre Alpha Transpondeur 7040, c'est répété le terrain de départ. Logne. Reçu novembre Alpha, Logne, j'ai copié. 7040 Transpondeur, c'est exact. C'est correct à novembre Alpha. Patrouille Zulima, bonjour. Patrouille Zulima, bonjour, repassez votre message. Alors donc c'est patrouille de 2 Cap 10, Fox Golf India Zulima, départ de Nangy, à destination de la 6201 pour une quinzaine de minutes d'évolution, pas de transpondeur. Alors c'est patrouille Zulima, vous pouvez rappeler début d'évolution. C'est le début d'évolution Zulima. Scène information de Fox Golf, novembre, novembre Lima, bonjour. Scène du Fox Fox Tango, bonjour. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est pas nous ça? Non. Scène de Fox Juliette Romeo de Lima, bonjour. Donc je grimpe. Hein. Fox Victor Tango? Victor Tango, oui, j'écoute. Vous avez pu monter à 2000 pieds au QNH? Encore justement, je cherchais à me stabiliser là, maintenant je vais monter à 2000 QNH. Reçu Victor Tango, merci. Donc le QDM, toujours unité 2-0. Unité 2-0, correct.
Patrouille Zulu Lima. Oui, Zulu Lima. Il grimpe bien. Hein. Prévoyez comme plancher pour les évolutions 3000 pieds initiales. C'est bien pris, Zulu Lima. Et pour votre info, trafic VFR solo en transit vers l'est, vertical axe de voltige d'ici 5 minutes à 2000 pieds. Ok, c'est bien pris pour le trafic à 2000 pieds, Zulu Lima. À novembre Alpha, identifié que la chaîne régionale 1027. C'est mieux là. 1027, novembre. Après. Force Vista Tango. Ah, j'écoute. Vista Tango, pouvez-vous me confirmer le QTM encore et puis l'altitude s'il vous plaît? Tu tires un peu sur le moteur, Victor, tu sens l'essence. QTM, ah, oui. 2-0, ah, oui. Donc vous êtes sur le bon QDM et l'altitude 2000 pieds, je vous relève à 1900 pieds, donc c'est parfait. Merci. Ok, merci monsieur. C'est l'information de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Fox Hotel India Alpha Echo, c'est l'information, bonjour. Oui, bonjour, décollé d'Amboise pour un vol local, 1000 pieds, QNH 1027, transpondeur 7000, deux personnes à bord. Reçu Fox Hotel India Alpha Echo, transpondeur 7042. 7042, Fox Hotel Alpha Echo. L'info, Fox Alpha Papa, rebonjour. Alpha Papa, rebonjour. Le Capis, Foxtrot, Papa Charlie, Alpha Papa, au départ de Dreux pour une séance de voltige sharp jusqu'à 30 et retour Dreux. Alors, Foxtrot, Papa Charlie, Alpha Papa, transpondeur 7043 et rappelez début d'évolution. 7043, rappel début d'évolution. Scène du Fox Fox Tango, bonjour. Fox Fox Tango, bonjour, je vous rappelle. Fox Victor Tango. Fox Golf Kilo Victor Tango. Fox Golf Kilo Victor Tango. Donc on est déjà sur l'autoroute. Fox Tango, bonjour. C'est un CP20 Fox Golf Fox Tango 1 POB. Décollé de Vitry, Sierra Kilo à destination de Logne avec vous. Alors, Fox Golf Fox Fox Tango identifié, recyclé 7044. 7044, Fox, Fox, Fox Yankee Oscar pour essai radio. Fox Hotel Alpha Yankee Oscar pour essai radio. Fox Yankee Oscar. Ok, ben on est là. Alors, si vous êtes en retour vers 3, c'est correct. Mais sur l'autoroute. D'accord. Vous pouvez répéter. Donc, le cap suivant, ça sera du 150. Hein. On est toujours là. Lui, il a déjà pas mal bougé. Étonnant. Yankee Oscar, vous êtes bien en retour vers 3, c'est correct? Fox Yankee Oscar, je suis retour vers Fontfrayonne et j'évite 3 par le sud. Reçu Yankee Oscar, merci pour l'info. Alpha Papa, début de voltige. Alpha Papa, reçu. Mettez l'écoute et rappelez fin d'évolution. Fin d'évolution. Donc c'est à l'India Alpha Echo, identifié, confirmez le secteur du local. En ce moment, c'était vers Valencier, après Valencier, on viage vers le château de Chambord, puis retour vers Amboise. Reçu Alpha Echo, maintenez l'écoute en cas de perte radio, Paris Info 129-625. On garde l'écoute en cas de perte, on passera avec Paris Info, Fox Rap Alpha Echo. Fox Golf, bravo Juliette Golf. Juliette Golf en sortie dans 3 minutes, pour recycler 7000 qui étaient la fréquence. Et Poitiers Info disponible à présent. Olivier Dazur, il est par là. Estimale 0, au revoir. D'accord. Quelque part à gauche. 7000 transpondeurs, espère 5 Poitiers, Juliette Golf, au revoir. Scène de Fox Mike Tango, bonjour. Fox Mike Tango, c'est l'information, bonjour. Voilà, ça c'est le point de repère, il est juste là. C'est Fox Charlie Tango sur la fréquence. Autant pour moi, Fox Charlie Tango, bonjour, passez votre message. Donc il sera 22, on est à l'heure. Charlie Tango, Centurion 210 au départ de Chartres à destination de Pont-sur-Yonne, actuellement 2900 pieds, 1028. C'est Fox Golf Charlie Tango, identifié, recyclé 7045, QNH régional 1027 accident, ça sera et des planeurs dans votre secteur. 7045 et 1027 et j'ai bien reçu l'information en trafic Fox Charlie Tango. 150, on a 10 nœuds. C'est l'info du Fox Oscar Novembre. En 45. J'écoute Oscar Novembre. On est en train de monter tranquillement pour des évolutions locales autour de 6000 pieds. Reçu Oscar Novembre approuvé. Merci. C'est l'information de Fox Novembre, Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre, Novembre Lima, bonjour, je vous rappelle. Reçu Novembre Lima. Thank you.
Good afternoon, Ryanair, November 7, Papa November 20, November 20, good, identified and continue as clear, then 1970, route Alimo Bavol, be leveled by Alimo. Donc là, il y a une zone 1000 pieds sur... 1970, route Alimo Bavol, level by... Bavol, 997, sorry, be leveled by Alimo, November 20. November, correct. Break, Fox, Victor Tango pour SR Radio. Fox Golf Kilo, Victor Tango pour SR Radio. Ah, ça devient mieux là, j'ai l'impression quand même. Tu as 2500 pieds, on est bien là. Fox Victor Tango pour SR Radio, Sanako. Fox Victor Tango, j'écoute monsieur. Juste pour SR Radio, vous évitez la Papa 31 de Nogent. Papa 31 de Nogent. Ah tiens, vous pourriez prendre 10 degrés à droite. 10 degrés à droite, ok. Ah, reçu Victor Tango, je vous rappelle pour reprendre la navigation VR3. Donc là on passe dans le secteur parce que j'ai un ami qui vient en vacances régulièrement par ici. Ouais. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu de filmer nos roues. D'accord. Et comme c'est sur la trajectoire de Nevers. Rebonjour, c'est le retour de Semur-Noctois vers Mauvais, c'est correct? Vu les conditions météo, je préférais faire demi-tour. Reçu X-ray Lima, toujours identifié, que l'âge régional 1027, vous évitez Saint-Florentin du parachutage en cours. X-Lima, vous pouvez me dire là, mon altitude actuellement? X-Lima, je vous relève actuellement à l'altitude de 3500 pieds au QNH 1027. Pire, merci, X-Lima. Fox Novembre Lima, c'est l'information, bonjour, passez votre message. Donc, fin de Fox Novembre Lima, bonjour, un DR400 en provenance de Logne, destination de Nevers avec un passage vertical de Vézelay actuellement, 2400 pieds pour passer en fréquence avec vous. Il m'a identifié, recyclé 7046 et point info le QNH 1027. 1027 au QNH, 7046 au transpondeur Fox Novembre Lima. Ah, Fox Charlie Tango. Fox Charlie Tango. Charlie Tango pour votre info, un trafic VFR actuellement dans vos 2 heures pour 4 nautiques cap au sud, un Piper stable 300 pieds bas. Fox Charlie Tango. Faut que c'est Papa Charlie Alpha Papa. Charlie Alpha Papa, le capitaine. Ah, Alpha Papa, donc identifiez, mettez l'écoute et rappelez fin d'évolution. Rappel fin d'évolution. Faut que c'est Romeo Bravo, rappelez en vue du terrain d'Amboise. Je rappelle vue du terrain d'Amboise, ah, Romeo Bravo. Ouais, c'est bien. Ça sera mieux au retour. Ensuite, on va mettre entre les deux. Tu les vois là, les fumées là. C'est l'info, Fox, Bravo, Tango, Kilo, Kilo, bonjour. Bravo, Tango, Kilo, Kilo, c'est l'information, bonjour, passez au courant d'état. Un DR300 de personnes à bord en provenance de Vitry-François pour une navigation vers Cézanne, ensuite Château-Thierry, Reims et retour Vitry à 2800 pieds QNH et QNH 1027. Alors aussi, Fox, Bravo, Tango, Kilo, deux fois identifié, on va cycler 7047. Profondeur 7047 Fox Kilo Kilo. En fait la bruma ça elle est partout. Ouais. On est dedans. Ouais. Fox Zulu Québec. Je crois qu'on a bien fait d'attendre. Ouais. Fox Zulu Québec. Bah, c'est ce qu'il disait pour les visibilités en fait. Pour quelques trafics en évolution entre Nangis et Mac Victor. Non. Bien, bien c'est 2005. Québec. Fred de Fox Zulu Lima, bonjour. Zulu Lima, bonjour. Bonjour monsieur, c'est le Foxtrot Juliet Romeo Zulu Lima VL3, une personne, Shell Amboise au niveau 65. Après, je t'arrête ta jauge, je trouve qu'elle descend rapidement. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Foxtrot Juliet Romeo Zulu Lima, utilisé l'indicatif complet et recyclé 7050. 7050 pour Juliet Romeo Zulu Lima. C'est une info du Fox Oscar Novembre, en descente vers 2000 pieds au nord-ouest de Saint-Michel. Et jauge, c'est pas connu pour être bien fiable. Ah bon, bien précis, Fox Oscar Novembre. Fox Tango. Fox Tango. Fox Tango en sortie, 7000 quittés la fréquence, par info disponible 26 unités, au revoir. Unité, au revoir monsieur. Donc on arrive sur Prunois, alors quelque part là-bas il y a Joigny. Yankee Oscar. Ouais. Peut-être bien là-bas, pas sûr.
Donc ça y est, dans la transversale. Et Prunois, et quelque part devant. Il y a un kiosque rappelé en vue du terrain de Pont-sur-Yonne. Ah bah tiens, alors on a un gros patin, d'accord. Ok, donc c'est ce patin là. D'accord, donc on a bien dérivé. Fox Lima Tango. Fox Novembre Lima. Négatif, Fox Lima Tango. Fox Golf India Lima Tango. Fox Golf India Lima Tango, c'est un info. Lima Tango, je vous écoute. Lima Tango, tu sais moi déjà présent 134 décimal 87. On va commencer à le vider parce que l'autre il commence, il sent. Ouais. Je pense que ce qu'on sent c'est celui-là justement. Lima Tango, c'est copié. Ouais, c'est probable. Alors, ça devient un peu pénible. Donc, c'est copié. Donc il est 11-27. Zulu Lima. 12-27. Oui, Zulu Lima. Zulu Lima identifié, recontactez-moi également 134 décimal 87. Ah, donc ah, c'est sur le pas du coup, c'est la page. Je confirme le Fox Juliette Romeo Zulu Lima. Alors Juliette Romeo Zulu Lima sur 134-87. Donc à gauche, ça serait Prunois, il y avait un château. Juliette Romeo Zulu Lima. Quelque part. C'est l'info de Fox Romeo Nissandro, bonjour. Fox Romeo Nissandro, bonjour. Donc la route suivante, c'est 138 pour Vézelay. Lima Tango 134, 87. Lima Tango 5 pour Éclair. Okay. Allez, on a un FAPA 90, contactez la route de Golopo, sur 124, décimal 355, vous voulez 124, 355, 44 degrés. Romeo Nissandro, c'est l'information, rebonjour. Rebonjour, Fox Golf Charlie Romeo Uniforme, un DR 400 en provenance de Troyes à destination de Reims, une personne à bord, c'est une 150 classique, actuellement montée pour 4 métriers. Alors c'est Fox Golf Charlie Romeo Uniforme identifié, recyclé 70-51. 70-51 au 135. Novembre Papa, reçu, pas de trafic connu, rappel en descente. Donc c'est vert, c'est vert. Novembre Papa. C'est nickel. Tango 2, chasse 7-0 en descente. Tango 2, fois, quittez, à plat. 2400 pieds. N de Fox de Trélema, bonjour. Qui part. Trélema, je vous rappelle. Ok. Trélema, j'écoute. Scène de Fox Trélema, juste pour vous dire que je prends un cap quand même sur la fréquence, pour Hollande de Auxerre. Reçu, Trélema, vous faites un toucher à Auxerre, c'est correct? Et je me pose une finale. Reçu, Trélema, rappelez en vue du terrain. Ok, je rappelle là, en vue du terrain, c'est Fox Trélema. Donc à droite, on a une ligne de chemin de fer, si jamais tu la vois de trop près, c'est qu'on a vraiment trop dérivé. Scène de Fox, ne m'embrasse pas à 5 pieds de Pont-sur-Yonne pour... Je la devine. Je pense que c'est ce qui est là, tu vois, là, dans le creux, là. Merci. C'est une information du Fox Yankee Oscar en vue des terrains pour Yankee Oscar. Yankee Oscar a reçu 7000 et quitté la fréquence. À la prochaine. Yankee Oscar, 7000 et quitté la fréquence. Merci, au revoir. N de Sierra Fox, bonjour. Sierra Fox, c'est l'information, bonjour. Bonjour, voilà, c'est à 1035 Fox, bravo Alpha, Sierra Fox, je touche une noble à destination de Limoges, deux personnes à bord. On est en montée pour 3500 pieds dans un premier temps, transpondeur 7000. Merci Fox, bravo Alpha, Sierra Fox, identifié, recyclé 70-52. 70-52 Sierra Fox. 7000, bravo. Cynthia, bravo, bonjour. Bonjour, Cessna 172 Fox Bravo X-Train Bravo. Une personne à bord, provenance Vanaville-Laroche, destination LS8653, au sud de Poitiers. On vient de passer Sierra Mike au cap 200 et on est transpondeur 7500 pieds. Reçu Fox Bravo X-Train Bravo, identifié, recyclé 7053. 7053 au transpondeur, India Bravo. À Zulu Québec. Fox Golf Juliette Zulu Québec. Zulu Québec. J'ai cru que vous faisiez route vers la CTR de Melun, mais en fait vous tournez à Melun avec la novembre pour une route vers Nangis, c'est correct? Ah, tiens, correct, on a Zulu Québec, direction Nangis. Il y en a ici, ça peut être ça. Bravindia, pour qui s'est passé avec Moret? Reçu Bravindia, transpondeur 7000, quittez à la prochaine. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Seine, Zulu Québec, on est en vue de Nangis pour quitter la fréquence. Zulu Québec, reçu, transpondeur 7000, quitter la fréquence, Nangis 127, décimal 97, voir. Donc on va voir à Zulu Québec, c'est copié. Le bled là-bas. 127, 975 pour Zulu Québec. Un reçu, transpondeur 7000, à la prochaine. Prochaine. Fox Golf, Kilo, Victor Tango. Victor Tango, j'écoute. Victor Tango, donc maintenant pour 3, le QDM, unité 0-0. Maintenant pour 3, QDM, unité 0-0. Merci. Fox Novembre Lima. Fox Novembre Lima, je vous écoute. Bon Lima, recontactez-moi dès à présent, 120 décimal 325. 120 décimal 325, à tout de suite. Tiens, Papa Golf en Roméo, bravo. Ah bah si, c'est ça. 120, décimal, 3, 2, 5. Fréquence, à la prochaine. Transpondeur 7000, je quitte la fréquence, merci, au revoir. Sales de Fox Trélima en vue de terrain de Auxerre pour quitter. XLM a reçu transpondeur 7000, quitte la fréquence, Auxerre 129, décimal 8, au revoir. 7000, au revoir. 7 novembre Lima avec vous sur la fréquence. 500 éclairs novembre Lima. Voilà, ça c'est le patelin dont je te parlais. Un hélicoptère Sierra Echo, bonjour. Hélicoptère Sierra Echo, c'est l'information, bonjour. Donc on est pas hôtel Papa Sierra Echo, Bistone 44, au départ d'Auvergne, à destination de Pont-sur-Yonne. On vient de décoller, on est à 1000 PNH. Alors aussi, il faut que vous Papa Sierra Echo, il s'appelle identifié, 70-54. 70-54, Sierra Echo. Sur nos avant, il y a des éoliennes en principe. Et derrière les éoliennes, il y avait SV. Voit tour radio sur la droite. Ah. C'est Fox Uniforme Delta qui appelle, c'est correct? C'est l'Alpha Papa qui est pas solté. En route, Alpha Papa, transpondeur 7000, quitte à la prochaine. 7000, je quitte, bon appétit, à la prochaine. Fox Uniforme Delta qui appelait? Donc là, on passe au-dessus d'une route assez importante, effectivement, qui fait une sorte de bazar et qui tombe dans un petit patelin une fois. Une sorte d'état, je reçois. Il n'y a rien là-bas d'Auxerre. Ouais, c'est ça. La route, c'est 138. Moins 6. Voilà. Ah non, t'as vu, lui, dès que tu prends la route avec le cap que tu corriges, ouais. Hop, il m'envoie balader, donc en fait, il faut que j'aille encore plus à gauche. Un peu de symétrie toujours, 2340 pieds. 12 de travers et 18 de face. Ouais, 12 de face, 12, travers, 12. Ah, ben voilà les éoliennes. Je me disais, bon, elles sont aussi éoliennes. Ah oui. Ah oui, là tu peux pas les louper là. Non. C'est pour ça qu'aussi qu'on monte à 2400. Ouais. Et qu'on va bien s'y mettre à 2400. Bon, il y a de la marge, hein. Je me rappelle plus à quelle hauteur. 1700. Donc on a 700 pieds, tu vois. Il y en est pas dessus. D'accord. Ouais, ça grimpouille. Voilà, tu regardes. Lui, il est passé sur 3 et hop, lui, il revient sur 4. Ouais. Ça sent moins, j'arrête le transfert. Ok. Donc j'arrête le transfert à 36. Ah ben, ça va mieux d'un coup, là. Moins de monde dans les oreilles. Ouais, c'est vrai que c'est plus calme là. Bon, donc on a Auxerre là-bas. Donc ça c'est les éoliennes et puis là-bas c'est la grande antenne qu'on voit ici. Je sais pas. Non, ça c'est une antenne, tu crois, ce truc-là? Ah ouais, c'est une autre éolienne. Ouais, je sais pas. Je connais pas la symbolique de ces... de cette carte. Et là t'as une... T'as une bonne antenne bien haute là-bas. Ah oui, effectivement, oui, d'accord.
Elle est où celle-là? Ah oui, c'est celle-là, oui, effectivement, elle est à 1864 pieds. C'est aussi celle-là qui justifie. Bon, on est loin, hein, mais ouais. Le truc à la base, c'est les éoliennes plus tout ce qui est dans un couloir. Ouais. C'est vraiment au cas où tu te sois lourdé et que t'ailles vraiment dériver dessus. Ouais. En 23. Donc là il me dit que ça fait un avant gauche de 16 nœuds. Pour le moment on est plutôt plutôt bien quoi. Patrouille, pour retourner. Patrouille. La fréquence à la prochaine avant. Prochaine au revoir et merci, patrouille. C'est une info de force, Golf Kilo Victor Tango. J'écoute Victor Tango. Ouais, c'est sûr Tango, que... je voulais savoir si je suis bien sur le QDM 100 et puis altitude de 2000 pieds. Reçu Victor Tango, je confirme. Il est déjà présent, recontactez-moi 120 décimal 325. Bon ben la campagne, tiens, on joue à l'ombre des éoliennes. Ah ouais. Je vous recontacte sur 120 décimal 325. Elles sont pas loin en tout quand même. Hein. Ouais. Donc on est au-dessus de la, juste au-dessus de la marge normale quoi. Alors, on est à 700 pieds en fait. D'accord. Et la marge c'est 500 niveau 9-0. Ouais. Pourtant on a l'impression qu'on est vraiment au-dessus quoi. T'as vu ouais, ouais c'est, mais c'est pas des petits modèles non plus. Hein. Non. C'est l'info de Fox, Golf Kilo, Victor Tango. Fox Golf, c'est Chariot TMAX, c'est l'info, bonjour. 72 en provenance de Rennes, destination de Bourges, 7 mètres en profondeur, avec personne à bord, 3h30, regarde ce que je vois en face. Alors, c'est Fox Golf Charlie Hotel. Alors, je propose qu'on se mette à descendre là, ça c'est prévu. On va se tomber à environ 1200 pieds. De 2000 pieds, pardon. C'est l'info de force Golf Kilo Victor Tango. Parce que d'après la montre, on est annoncé 46. Non, non, c'est pas ça. Donc là, je vais descendre à 2000 pieds. QDM 9-0. Oh non, je vais garder, on va accélérer. C'est bon? DM 090. 090, ok, merci. Fox Golf à Charlie. Fox Army Farm, je vous écoute. Ah, vol d'oiseau là-bas. C'est bien, c'est Fox Army Farm, merci. Donc là, on va arriver sur Vesley, c'est ça? Vesley, ouais. Donc il est quelque part dans la brume là-bas. Donc j'ai dit 2000 pieds ça me paraît pas bien haut là, on va rester 2200-2300. Ouais, en face t'arrives pas à deviner si c'est le sol ou si c'est les nuages. Bah là on voit que ça vallonne en fait. Ouais ouais. Bien, enfin assez loin mais... Ah là 2300 ça me paraît bien. Une autre travers. Donc 138, 133. Mais si j'affiche un 133, il va m'envoyer balader, donc je fais en sorte de rester parallèle au trait. Tu as un truc d'alerte sol dessus, sur celui-là ou pas? Non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Tiens, on dirait qu'on passe près du sol. Si tu vois une voie de chemin de fer, c'est qu'on sera là, et qu'on sera vraiment pas loin de... On doit traverser? Ouais, perpendiculaire. Ça devrait pas tarder, hein. Voie de chemin de fer et ligne rivière. Et quelque part sur la droite, on aura que la psy. La voie de chemin de fer, je crois qu'on est en train de la passer. Ah, ah non, je sais pas. C'est bizarre. Non, non, c'est pas une voie de chemin de fer, ça. Là, j'en vois pas, hein. Non, non, bon, on n'est pas forcément dessus encore. Mais regarde, la rivière, elle est là. En fait, la voie de chemin de fer, elle est avec la rivière. Ah, d'accord. C'est vraiment génial, ce système. Ah, ouais. 2300, voilà, ça plaît bien, 2300. Il y a plein de champs sur le côté, là. Donc, s'il faut aller se poser, c'est là-bas. Ça tombe bien, c'est à gauche. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est en dessous dans l'aile, hein, tu vois, regarde. Ouais. Le rayon de poser, là, il est... tu comptes 1, 2, 3...
C'est quelque part en dessous là, donc c'est sur les champs là, machin. D'accord. Ah, regarde. Petite falaise là à gauche là. Je ouais. connais pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est bien joli. Ah, tiens. Là, ça serait la rivière là. Eh ben voilà, c'est pas ça, serait. C'est la rivière. Et plein de méandres. Et tiens, c'est pas une ligne de chemin de fer ça? Bah non, je crois pas. Non. Ah non, c'est une route. J'ai l'impression que ça brille un petit peu quand même comme une ligne de chemin de fer. Voilà, non, c'est une route. Route. Ouais, ouais, bah c'est des flaques d'eau en fait. Donc c'est bravo Tango, kilo, kilo. Kilo de fois, on écoute. Et kilo de fois, la rivière, on est dessus. 7000 qui la fréquence et dès à présent, Paris Info disponible 126 unités, au revoir. Donc on arrive, ouais, c'est ça. Au revoir, à tout à l'heure, monsieur. On arrive au bon endroit, en tout cas. Ouais, c'est ce que je vois, ouais, t'as la courbe là. Tu vois, regarde, t'as les courbes. Je la vois bien. Fox Novembre Lima, je t'écoute. Novembre Lima, confirmé la destination, toujours Nevers. Alors, on passe par Vézelay actuellement. Reçu Novembre Lima, on sort 6 des zones de scène, on s'y fait 7000 qui est la fréquence. Et Paris Info disponible 126 unités, au revoir. C'est reçu, on quitte votre fréquence, 7000 au transpondeur, 126 unités, Paris Info, au revoir. Fox Zulu Lima. Zulu Lima. Zulu Lima pour info, la Romeo 85 est active. D'accord, merci. Ouais, et puis la voie de chemin de fer, elle devait longer la rivière, je pense. Ouais, bah c'est ça. Parce que là, on vient de la passer. Paris Info de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Fox Golf Novembre, Novembre Lima, Paris Info, bonjour. Le Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, deux personnes à bord en provenance de Logne, destination de Nevers avec un passage imminent par Vézelay, 2400 pieds pour passer en fréquence avec vous. Novembre Lima, 70-11 au transpondeur. Novembre Lima, transpondeur 70-11. Ah ben regarde. Ouais. Il y a des grosses choses là, on est vraiment pas très loin. Le sol il monte bien là. Victor Bravo, bonjour. J'ai compris, Fox Papa Yankee, Victor Bravo. Fox Papa Yankee, Victor Bravo, oui. Je vais être ici, en provenance de mots. Destination 2-3, on vient de quitter Mont, on est 3 personnes à bord à 1500 pieds. Bon, ralenti. Oh, c'est 70-12 s'il vous plaît. 70-12 au transpondeur, vous me confirmez le samedi également, les TMAC sont inactifs. 2000 pieds. Ou alors non, vraiment, là-bas. Enfin, oui, ça sert en auto-info, je crois, oui. Donc Vézelay, la CPR de Valin en auto-info et la TMAC inactive, je crois, au-dessus de mon vis. Oui, c'est ça, donc, je vais demander une confirmation, mais c'est ça, oui. Bien, merci. Et je suis trop à gauche. Tiens, regarde, on la voit aller en face. Je pense que c'est ce qu'on voit là-bas, non? Oui, tout à fait. Allez, hop, on remet 2450 tours. On est 2000 pieds. Et on descend pas plus bas. Ouais, parce que là, le sol, il est vraiment haut, hein. Victor Bravo, contact radar, et oui, les deux, la CTR, la TMA, sont en auto-info classe Golf. Je vous remercie et bien reçu pour le contact radar, Victor Bravo. Donc, on va arriver, il est 46, donc on est arrivé à l'heure. Le cap suivant, ça sera du 223. Ah mince. Novembre Lima, contact radar. Reçu pour Novembre Lima, actuellement 2000 pieds, on est à 30 secondes de Vézelay, vertical Vézelay. Ok. Donc on est à 2500 tours, tout est dans le vert. Et on va faire une rotation comme ça, hop, autour de Vézelay. Ok. On va prendre assez large. Je vois rien à droite. Rien en face. Vézelay à gauche, 2040 pieds. Donc on va faire un virage léger, 10 degrés, pour en profiter.
par contre on sera un peu secoué. Joli. Ouais, très. Et le plus drôle, c'est que c'est même pas une ville jaune. J'y suis pourtant allé, mais vu d'en bas, ça n'a pas du tout la même... Ah non. Et j'attire ton attention sur l'autre là qui s'appelle Saint-Père de mémoire. C'est une église assez caractéristique aussi, un truc assez sympa à voir. D'accord. Donc je vais aller tout journée par rapport à lui et on va revenir par là-bas. Si je te gêne, tu me dis. Hein. Non, c'est bon. Je sais pas ce que ça va donner en photo, mais... Bon, on verra bien. Moi, j'ai pas vu d'appareil. Ah, mais avec la brume, je sais pas ce que ça va donner. Alors, t'as vu à gauche là-bas quand même? C'est sympa. Hein. Ouais. Hop, on s'éloigne un petit peu. Vertical Saint-Père. 2080 pieds. 2450 et on tourne un petit peu. Donc là je vais prendre plutôt 20 degrés et je me concentre sur le virage. Voilà, 2100 pieds, sympa. Hop, 20 degrés encore. Et voilà. Superbe. Vraiment superbe. 2100, ok, c'est bien. Je verrai plus VSD sous le même angle. C'est clair. Ah, c'est vallonné par là. Hein. Alors, donc, on a dit qu'on allait au 223 vers Nevers. Et nœud de côté. Voilà. Alors la branche suivante c'est 2100 pieds, ben, on y est, ça tombe bien. 2450-2500, voilà, les paramètres sont dans le vert. On est 3 sur l'essence, donc en fait bon, ça c'est parce qu'on tourne et qu'on vibre je pense. 3, ça c'est normal, 3 ici. Alors la fréquence de Nevers, ça sera 120-10. Non, 120-10. LFQG. D'un cul, hein. Et donc on part, il est 50. Et on doit arriver à 10h17. Bravo, par info. Non, 18 minutes, ça fait oui, 50, vous pouvez passer fait... sur 121-10 en 08. Auto-info. Vous avez un trafic dans vos 2 heures pour 2-3 nautiques et qui a une route au 0,90. Il est à 100 pieds plus haut que vous. Bien reçu, bravo, je passe sur 121-10. Pour info, c'est affiché 250 pieds bas sur le transpondeur. Bonjour, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah on sent qu'il y a des reliefs quand même. Hein. Ouais, ouais. Bon, enfin, ça va, ça pourrait être pire, hein, franchement. Ah oui, non, mais c'est simplement pour le principe, en fait. Ouais, on voit ouais. Bien qu'on est. Il y a quelque chose en dessous, quoi. Ça turbule un peu plus. Ça nous rappelle les règles de base de l'aérologie, comme dirait. Ouais. Lima Echo, par info. C'est quand même mieux quand on a un bel éclairage. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et par là, c'est vraiment dégueu, hein. Ouais.
Alors évidemment, le soleil là-bas, ça change la perspective, mais... Bah oui. En fait, il faudrait monter au-dessus pour qu'on soit bien. Le problème, c'est que si on est au-dessus de ça, on voit plus qu'en dessous. Ouais. Alors, on a dit 223, moins 3 nœuds, on va rester sur 222. On est à nos 115 nœuds, c'est bien, donc l'appareil est bien réglé. Donc ici, il y a un peu plus de relief, hein, ça se voit. Ouais. Alors justement, tu vois, ça a l'air de rien comme ça, mais sur mon log, je mets la hauteur maximale du terrain que je trouve avec le géoportail. Donc ouais. Là, il m'annonce du 1300 pieds. Donc ça, c'est 1300 pieds? Bah, en principe, ouais. Ouais, d'accord. C'est le plus haut, c'est 1300 pieds. Et je reste sur l'axe tel qu'il est prévu, hein. Ouais, ouais. Donc ça voudrait dire 1800. Moi, je me suis mis un peu plus haut que 1800, en fait. Donc là, on vient de passer une petite rivière. Petite rivière, c'est ça, donc faut faire attention, il y a un, bah, j'allais dire, faut faire attention, il y a une ville juste derrière. On doit être dessus ou pas loin? En dessous. En dessous, ouais, ouais. Oh ben ça confirme mon nez, hein. Paris Info de Fox Papa Yankee Victor Bravo. Ah bah alors, en principe, c'est là où je devais. Vous avez visuel du trafic, vous êtes annoncé avec lui? Bon, alors vu la visibilité, vu tout ça, je vais faire en sorte de rester sur le trail. Ah bah c'est ça, y'a plus de problème, oui d'accord, vous êtes au-dessus de lui, oui. Il vient de passer devant vous. Bien reçu Victor Bravo, on va toujours saluer. Non mais y'a plus de problème, maintenant vous êtes monté, donc vous avez presque 1000 pieds d'écart. Bah la visi elle est bonne, mais c'est dégueulasse quand même quoi. Ouais, c'est pas terrible terrible hein. Je le redis, heureusement qu'on n'est pas parti plus tôt. Non mais... Par contre là, sur le gaffort, il donnait du vert. Bah ouais. Ah, il y a plus de 8 km. Hein. Ouais, t'as de la visi quand même, quoi. C'est pas très net, mais enfin, t'as de la visi quand même. Ouais. Toujours inquiétant quand ça monte comme ça, parce que tu te dis, ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. C'est impressionnant de voir à quel point le sol, finalement, il est pas si élevé que ça, quoi. Non. Ah, puis il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il fait plus froid, c'est qu'il fait froid, donc en fait on est peut-être un peu plus bas qu'eux. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que la température étant plus basse, ouais. Les référentiels d'altitude changent. Plus bas aussi, ouais, changent. Quand il fait plus froid, l'altitude réelle par rapport à ce qu'on veut, elle est un peu plus basse. Donc là je vais prendre une petite marge de 200-300 pieds, voilà, 400 pieds, 2400. Ça donnera moins cette sensation d'aller au tapis là, tu sais, enfin trop près quoi. Ouais. Moi j'aime bien, mais bon. Ouais, mais là c'est la vie réelle. Ouais, bah oui. Ah non, mais même en réel. C'est bien, mais bon, c'est quand même bas. Voilà, il y a un autre patin un peu plus important. Alors, dans 11 minutes, 08, ah, effectivement. Bon, alors, 2400 pieds. Donc là, on a un vent qui vient de l'arrière, comme ça. Ouais, tu vois, regarde, ça fait ça. Nous, on est sur du 220, donc, ah ben, remarque, c'est ce qui était prévu, en fait. Hein. Quand on regarde bien, 12 nœuds. Ben regarde, on l'a imprimé en grand, on va la regarder en grand. Donc on révise, donc on va arriver comme ça, on va viser en gros les installations là, énormes. D'accord? Ouais. Et ensuite on va faire un virage comme ça, ici tranquille pour s'aligner. Ça donc là on se mettra à 2000 pieds, donc 400 pieds plus bas. Bien sûr, je vous rappelle. 400 pieds plus bas, donc à 2000 pieds pour s'éloigner ensuite comme ça, venir et se poser. Donc on se mettra demi-tour, la réchauffe, la pompe, etc. Enfin, le classique. Hein. Donc,
Vaccin, la fréquence, elle est déjà mise, tu vois, 9h. Oui. Bon, c'est bien, il a indiqué 9h, je suis content. Le QNH, Victor Bravo. Il est au fait, je vous remercie. Alors là, je vais même autant dire que c'est pas si évident que ça de regarder la carte pour savoir ce que t'as, ce que tu devrais voir. Cela étant dit, on devrait avoir une ligne de chemin de fer sur la droite. Avec un patelin d'assez important qui va apparaître à un moment donné. Fox, Golf Charlie, Tango Delta, bonjour. Pour l'instant, on voit rien. Fox, Golf, on est au Charlie, travers Tango, de la centrale là-bas. Fox, ouais. Tango Delta, PA26 au départ de Toussus à destination de Rouen. Je sors des zones de Chevreuse, actuellement à 2100 pieds. Tango Delta, 7002 s'il vous plaît. 7002, Tango Delta. Petits étangs sur la droite. Tu disais des petits étangs sur la droite, dans ouais. Le travers. Ouais. Donc quelque part par ici, il y a un château, je voulais voir aussi. Bah, il est peut-être là-bas en fait, dans le truc. Ouais, parce que de toute façon, il est quand même un petit peu plus par là. Donc on est pile sur l'axe, c'est bien. 2400 pieds, 2500 tours, tout est dans le vert. Il y a un patelin un peu plus conséquent devant, j'ai l'impression. Ah là, c'est ça, ouais. Ouais, c'est celui-là. Et celui-là est juste derrière, quelque part à gauche, il y a 9 heures. Donc nous, pour le coup, je vais faire en sorte de passer à droite. C'est peut-être ça, ton château? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, non, il y avait un étang aussi, le groupe de mémoire. Ouais, d'accord, bah alors ça devait être avant. Par les informations, Papa Autoculé, Bravo Golf. Donc il y a 8. Hein. Papa Hotel Kilo Bravo Golf, on arrive à 08. Donc en 2 minutes. Papa Hotel Juliet Bravo Golf, Cessna 172, 3 POV, VFR from Kortrijk to Jersey. Position is east of Le Duquet. Roger, squawk 7006. D'accord. Ouais. 7006, Papa Hotel Kilo Bravo Golf. On est bien là, ouais, on s'approche. Tango Delta, contact radar. Tango Delta, bien pris, je vais monter à 3000 pieds. 3000 pieds aussi. En profiter, je l'ai imprimé en grand alors. Ok, donc là on est ici, c'est sur le grand patelin. Donc là on est à 4-5 minutes. 7 minutes. On passe des lignes de haute tension là. Je vois pas de ligne de tension là, mais c'est une grande ville qui est tout en longueur. Là, ça peut être ça éventuellement. La ligne de haute tension à droite et bled à gauche. Elle n'est pas indiquée celle-là. Ou alors c'est ce... Ah si, d'accord, ok, ouais, effectivement, c'est ça. Ok, je vais descendre 2200 pieds dans un premier temps. Bon bah écoute, 9h c'est en face. Hein. C'est un aéroport contrôlé ça? En semaine, ouais. Alors il y a un AFIS en semaine. Wow. Papa Hotel Juliette Bravo Golf Paris. Papa Paris, Papa Hotel Juliette Bravo Golf. I have radar contact, but in fact you are in the area of Lille. Can you contact Lille information on 12047, please?
Will go contact Lyon Information on 12047. Donc on arrive comme ça, on va l'avoir presque perpendiculaire, donc on va arriver par là. Vertical 2600 pieds, le tour 2000 pieds, le tour de piste à 1600 pieds. Donc la 30 est préférentielle, 2200 pieds, ok, c'est bien. Papa, Bravo Golf, Paris. Papa, t'as dit le Bravo Golf? Oui, the frequency is 120.275. Say again the frequency, please, Papa Bravo Golf. 120.275. 120.275, Papa Bravo Golf. Paris Information de Fox Novembre Lima. Novembre Lima, je vous écoute. Donc Novembre Lima, on estime à 5 minutes environ de Nevers, on est à 2200 pieds pour vous qui savez passer en fréquence avec eux. Novembre Lima, vous pouvez quitter la fréquence, au revoir Novembre Lima. 7000 au transpondeur, on quitte la fréquence, au revoir. Ok, donc là il commence à y avoir des bleds, Nevers c'est tout devant. Nevers de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Nevers, le Fox Novembre Lima, un DR400 en provenance de Logne, plus exactement de Vézelay. Donc on arrive par votre nord-est, on est 2300 pieds actuellement. Installation estimée à 4 minutes 30, pas en vue, rappel en vue, Fox Novembre Lima. À moins que, eh ben voilà. Tu as le bled dont je te parlais tout à l'heure? Ouais. Bah je pense que c'est plutôt celui-là en fait. Ah oui, on était parce pas qu'il est beaucoup plus grand. Ouais. Et il a une forme bien accentuée tout à l'heure, je voyais pas la voie de chemin de fer, rien du tout. Donc tu vois comme quoi. Hein. Et regarde, t'as vu là-bas on voit des toits et tout, donc on voit Nevers là-bas. Ouais. Dis donc 2500 tours c'est quand même mieux là. Ah là, 2180 pieds. On a un petit courant d'air qui nous pousse. Ouais, on le sent là. Ouais. Ok, donc quand on sera à 2 minutes, la verticale, je passerai, je réduirai la vitesse. Donc faut faire attention parce qu'on a la ville quand même qui vient à gauche, donc il faut pas être tenté d'aller trop dessus. Ouais. Et on a Fourchambault, machin truc là qui est à droite, donc il faut pas non plus aller trop dessus. Et le terrain en gros il est entre les deux. Bon, il est bien indiqué là. À bord ne doit pas être actif, il nous l'aurait dit. Ouais. Bon, 2 minutes 53, je ralentis. Allez, réchauffe carbu, 2000 tours. On va arriver à, tranquillement parce que là, tel que c'est barré, on a une balle. Descends à 2000. Ok, 108 nœuds. Donc je vise le 80 nœuds. 80 pieds, hop, ça commence à forcer. Je compense. Bon, donc j'imagine que c'est cette grande zone entre les deux. Tu vois, t'as la ville à gauche. T'as les grandes, la grande usine, machin, là, la gare, le triage, ça doit être ça. Ok. Nevers de Fox Novembre Lima, nous sommes à 2000 pieds, à 2 minutes 30 de la verticale. A priori j'ai le terrain en vue, je rappelle vertical 2000 pieds pour reconnaissance intégration. Terrain, c'est ce qu'on a dans l'axe là? Je pense là, ouais. On arrive pile dessus comme ça. Et regarde, il est juste en face là. Ah ouais, d'accord. 2000 pieds, 2000 tours. Bon alors on est juste un peu rapide, c'est tout. Ah mais celui-là c'est pas 2000 tours, c'est 1900 tours. Je la vire. 960, on fait attention, voilà.
on se concentre. Donc on arrive, on vise les installations, on voit, enfin je distingue les choses, 1 minute 40. Là on a un vent 1-1. Bon ben donc on va faire ce qui était prévu, hein, a priori. 900 pieds. Là, je vais en profiter pour résorber. Et compenser. Compris. Ok, visuel sur la piste. Nevers de Fox, novembre Lima, 1900 pieds visuels sur la piste, on arrive donc par votre nord. Et la voie, elle est juste là. Ouais. Et là, tu vas te présenter à quelle vitesse? Et puis là, on va éviter les oiseaux aussi. 82. Donc, non passé, c'est bien. Ouais. Voilà, 82. Ok, alors je sais où est la biroute, mais je la vois évidemment pas. Pas d'appareil dans le trafic. Fox Novembre Lima, 1900 pieds, nous sommes quasi vertical de vos installations. On cherche la manche arrière pour reconnaissance intégration. Donc là on a du 1 de gauche et du 0 de l'arrière. Ok, visuel sur la biroute. Tu la vois, elle est juste là. 900 pieds, 82, ça va. Ouais, elle est quasi verticale. Ouais, il faut avoir une bonne vue quand même, putain. Elle est où? Elle est verticale là, ouais, elle bouge pas. Bah, elle, est, ouais, elle bouge pas. Hein. Elle est orientée comme ça, donc si ça soufflait, ouais, si ça souffle un peu par là, donc on va arriver dans l'autre sens, faut faire gaffe, il y a des oiseaux. 2000 pieds, c'est bien. Donc je fais mon virage. Ok, tu vois les installations, tu vois le hangar là? Ouais. Aire de triage. Ok, donc on prend le 30. Oiseau à droite. Oiseau à droite, bien vu. La biroute, elle bouge pas. Ok, donc on prend l'axe. Donc on a dit qu'on allait là-bas. Le tour de piste est à 1600 pieds. Voilà, 300, ok. On est 1900 pieds, c'est bien. On aura un peu de vitesse à résorber. 900 tours. Je suis en train de perdre un peu d'altitude, j'en profite pour résorber. Je vais tourner sur le tout là-bas. D'accord. Voilà. Là, je suis sur l'axe de la piste. 1900 pieds, 80 nœuds, c'est bien. 900 tours. Hop là, on se fait un peu secouer quand même. Hein. Ouais. Décidément, dès que tu l'as dans le dos, ok. Donc, 300, ça fait 390, ça fait 30. Je réduis. La piste elle est là-bas, 20 degrés, ok le 30, on est au-dessus de mon repère, on est à peu près perpendiculaire. Nevers de Fox Novembre Lima, on s'intègre en vent arrière, on est donc 1600 pieds.
fait 89. Alors, on est dans l'arc blanc. On peut déjà mettre un cran de volée. La pompe, les phares, on les a, donc on est bon. 1500 pieds, on est un poil bas. 89, ça sera mieux. Ok, on est sur l'axe de piste, on est parallèle. Et peut-être un poil éloigné. On converge un peu. Je vois l'espèce de grand dôme là. Ouais. Celui-ci, comme ça, donc qui est là. Donc il faut que je passe juste derrière le dôme en fait. Ok, la piste, on est à peu près à la bonne distance. 1600 pieds. Je vérifie un cran de volée, la pompe, la réchauffe depuis tout à l'heure. Ok, je vois l'espèce d'hippodrome. Fox Novembre Lima, on va passer en base pour un complet sur la 30. Alors attends, voir, je cherche les repères. Ok. T'as le cimetière et le stade. Ouais, ok, c'est bon. Sauf que là, je suis pas du tout... Ok, on est dans l'axe. Je vois pas les papilles. 70 nœuds, c'est bien. Son tour. Ça bouge plus, on est dans l'axe. Il n'y a pas de vent. Si de face, c'est bien. Commence à réduire, faut faire attention, la piste elle est très large. Waouh. Joli. Joli hein. Très joli. On freine gentiment. Waouh. Bah j'ai été meilleur que ce que je pensais pouvoir faire. Non non, c'était parfait. Juste en limite, on entendait le bip bip et c'était voilà, bien. Ouais. Bon, ben c'est bien. Poser, pas casser. Ah, c'est une bonne idée. Ben, c'est une excellente idée, je confirme. Là, ouais. C'est du génialissime comme idée. Bon. Alors, on fait quand même un petit coucou quand même. Parce qu'il y a symboliquement une chose qui s'est passée ici. C'est que c'est un des premiers vols réseau qu'on avait fait. Oui, on je me rappelle. Nevers. Je me rappelle. Et on était tous là-bas. Et on était tous là-bas, effectivement. L'avatar était bien ici, etc. Je vois les images comme si c'était hier. Et c'était à... ouais. En mars 2017 dans ces eaux-là. Bien, alors on va s'arrêter. Ok. Donc, on remet les volets. Nevers, Fox Novembre Lima, piste 30 dégagée. Je roule pour quitter au parking. Donc ça, ça, VFR, il n'y a pas besoin. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Voilà. Et il est 13h15. Bon ben tu sais que c'est mon premier atterrissage dans un circuit totalement inconnu avec un passager. Ouais. D'ailleurs, en fait, c'est vraiment le premier vrai vol. C'est le vrai premier vol, voilà. Voilà. Bon, alors, il m'a dit que ça s'appelait les ailes nivernoises, hein, de mémoire. Vu qu'il fait des photos, je pense que c'est lui.
Donc on a bien l'avitaillement qui est ici. Ouais. Donc je vais le photographier pendant qu'il nous photographie. Pour la numéro 3. C'est bien l'aéronautique du Nivernais. Bon, ah ben c'est nickel. Ah, il filme même, je pense. Ah, c'est clair. Pas content, je vais couper à la droite. Ok, on s'aligne. On remet tout ça dans l'axe. Voilà. On le poussera un peu. Oui, tout à fait. Là, c'est juste pour que les freins soient symétriques. Ouais, bien sûr. Voilà. L'anticolle, la batterie, les clés. Cool. Et, et on a arrêté à 19. Alors, les voyageurs? Eh bien. Eh ben. Bonjour Jean-Claude. Ah, vous êtes beau, là. Ah ouais. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y a un PMB bis là. Il y a la presse et tout. Ah ouais, je vois ça. C'est excellent ça, c'est excellent. Bon, alors regarde, la fine équipe. Avec 1h44 de vidéo, ça va? Tu t'en sors? Je suis vivant. On est vivant. Et bonjour Jean-Claude. Salut à tous. Alors les ailes du Nivernais et la tour. L'aéronautique du Nivernais. Voilà. Yeah.